Bonjour à tous, Dolorès Chouinard, je suis expert comptable au sein d'Exco Avec. Donc, je vais vous présenter notre cabinet, pourquoi effectivement on vient aujourd'hui avec vous vous voir. On a effectivement besoin de vos services chez nos clients, on a besoin de développer l'initiative et c'est pour ça qu'on soutient ces rencontres régionales du logiciel libre. Donc qui sommes-nous? Je vous laisse une petite vidéo pour prendre conscience de nos valeurs. Chez Exco Avec, notre ligne de conduite est le bénéfice client. Vous gagnez du temps, vous gagnez en simplicité en vous libérant de la complexité administrative. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre activité professionnelle. En vous appuyant sur nos audits et nos conseils, vous gagnez en sécurisation et simplifiez vos prises de décision. Chez Exco Avec, les valeurs du travail guident notre quotidien. Le savoir-faire, la performance, le dynamisme, la réactivité et la disponibilité sont des chemins que nous empruntons tous les jours. Nous ne perdons pas de vue pour autant nos valeurs humaines. L'authenticité, la proximité, l'engagement et l'écoute sont les fondements mêmes de nos relations avec nos clients, mais également entre nous, collaborateurs d'Exco Avec. Chez Exco Avec, nous empruntons la troisième voie. Située entre la structure nationale et la profession individuelle, nous proposons une alternative entre les performances industrielles des plus gros cabinets, notoriété, attractivité, pluridisciplinarité, qualité, recherche et développement, et les performances individuelles des microstructures, à savoir proximité, savoir-faire et fidélité. De cette fusion de compétences naît une réussite collective. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet implanté sur trois zones géographiques sur la Loire Atlantique. On a un cabinet sur la Baule. Alors, donc, ce que je vous disais, effectivement, c'est qu'on a un cabinet d'expertise comptable, mais on est aussi entrepreneur au service des entrepreneurs comme vous, comme vos clients. Donc, effectivement, on est aussi là pour vous servir. Donc, trois implantations géographiques sur le secteur. On a un cabinet sur Nantes, Boulevard Einstein, un cabinet à Vertou et un cabinet à La Baule. Exco Avec, c'est aussi six associés experts comptables, donc Philippe Lomeau, Yann Mauget, Laurent Meillarec qui est à Vertou, David Lucas, Benjamin Poulard sur Nantes et Sébastien Rousseau pardon, qui est sur La Baule avec moi comme expert comptable. Donc nos clients, c'est quoi? C'est 1300 PME, PMI et PMI régionales et effectivement avec une forte implantation en fonction des zones géographiques sur de l'artisan commerçant ou sur de la grosse structure. Donc on est vraiment au cœur de l'économie du département. Donc qu'est-ce que peut faire Exco Avec pour des gens comme vous, des entrepreneurs, des développeurs? Ben voilà, on est là, présent, tout au cours de votre vie. J'ai un projet, ben oui, mais mon projet, effectivement, c'est généralement technique, c'est technologique. Vous avez tous votre petite idée de votre métier, mais par où je commence? Qui je vais voir en premier? Quel statut je dois adopter? Comment je vais faire les premiers temps? J'ai besoin d'argent? Eh bien, nous sommes là pour vous accompagner. On accompagne aujourd'hui beaucoup de créateurs d'entreprises sur le process. On est là pour vous accompagner, vous emmener vers les personnes à voir. Et donc, une fois qu'effectivement, voilà, votre boîte, elle est lancée, eh bien, votre expert comptable, il est toujours là aussi à votre côté parce que, bah, la compta, c'est compliqué, même si on compte beaucoup sur vous pour développer des petits logiciels pour les clients, pour gérer des choses très simples, la caisse, etc. Vous avez votre recrutement, premier recrutement, ça fait toujours peur, on aime bien travailler tout seul, mais le jour où il faut embaucher, ben, y a les salaires, il y a la gestion du social, donc on est aussi là pour vous accompagner, simplifier la tâche et surtout sécuriser. Et puis, ben, en croissance, pour ce qu'on vous souhaite, quand votre projet a démarré, que vous êtes effectivement en pleine phase de développement, ben vous avez besoin de financement spécifique, adéquat, d'accompagnement financier, mais aussi d'accompagnement humain pour vous guider sur votre projet. Et puis le projet qui marche bien, eh bien c'est quoi demain? Eh bien demain, c'est la revente de votre entreprise. Ça peut être l'introduction en bourse, des très très grosses levées de fonds. Donc effectivement, eh bien, nous sommes là pour vous accompagner dans ces éléments-là.
On est des spécialistes des entreprises innovantes. C'est quoi une entreprise innovante? Vous le savez tous, puisqu'aujourd'hui vous en faites pour beaucoup partie. C'est difficile de trouver une écoute avertie, parce que c'est souvent des projets qui sont pas faciles à expliquer, avec des terminologies un petit peu techniques pour des non-avertis. C'est une analyse délicate de la pertinence dans la création des dossiers, comment on s'y prend. Au départ, on démarre sans beaucoup de besoins, et finalement, les besoins financiers démarrent très très vite. Comment on s'organise. Et puis c'est surtout, et vous le savez, un cycle de recherche-développement qui peut parfois être assez long, et qu'il faut caler avec l'organisation, le plan de financement et l'accompagnement performance et humain de votre projet. Donc, les entreprises innovantes, vous avez quelques facteurs clés de succès. C'est effectivement être détenteur ou axer sa recherche sur l'innovation technologique. Donc, que va apporter votre produit par rapport, effectivement, à la concurrence? Maîtriser les aspects réglementaires, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Développer des partenariats de qualité. Et effectivement, Alliance Libre se place aussi au cœur de ce projet, c'est-à-dire qu'en s'unissant les uns les autres, on peut avancer vers un projet commun tout en ayant ses propres objectifs. Et puis, c'est surtout disposer de ressources de financement suffisantes pour mener à bien le projet et finalement ne pas l'avorter au bout de quelques mois parce que faute de moyens, on a dû se tourner vers un autre objectif et abandonner ses rêves. Et puis surtout, c'est disposer d'un management de qualité parce que toute entreprise, effectivement, il faut aller de l'avant, il faut des hommes, il faut des chercheurs, il faut des managers et il faut porter le projet. Donc, effectivement, les besoins évoluent au fil des temps, de la phase de démarrage à la phase de développement. Une fois que la démonstration de faisabilité est faite, ce qui est pourtant, pour vous, parfois le plus long, on peut vous accompagner dans le développement. Donc, aujourd'hui, Exco avec expert comptable sur la région de Nantes et sur la Loire-Atlantique, on peut être là pour vous accompagner dans votre projet. Donc, notre typologie de clients, c'est vraiment ce que je vous disais en introduction, tout, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les professions libérales, les associations, les collectivités locales, j'en ai oublié, mais vraiment, on travaille avec aussi tout ce qui peut être vos propres clients. Donc n'oubliez pas effectivement dans cette boucle-là, quand vous êtes sur un client, éventuellement prendre contact avec son expert comptable, puisqu'il peut être aussi source d'éléments qui vous permettent d'adapter votre produit. Et puis, dans tous les services, dans tous les secteurs d'activité, le service, la santé, nos missions sont très variées, je vous l'ai dit, comptabilité, paye, conseil social, conseil juridique. Et puis, notre objectif, c'est quoi? Je le répète encore, c'est accompagner les chefs d'entreprise, vous faire gagner du temps, sécuriser vos process et surtout favoriser votre développement. Parce que pour nous, il n'y a pas plus belle réussite que d'avoir des clients qui réussissent. Donc, la phase de démarrage, c'est un business plan qui est réfléchi, qui effectivement font appel à des compétences multiples. Vous avez plein de choses à voir, vous êtes des techniciens. Nous sommes effectivement des gens du chiffre qui vous permettent de fixer les choses et de poser sur le papier la réalité, et non pas juste le petit projet qui est dans votre tête d'un point de vue matériel. Et surtout, le business plan, il doit être attrayant pour des investisseurs, c'est-à-dire que vous parlez métier, vous parlez votre projet, mais en face de vous, vous n'avez pas forcément des gens de la même origine qui ne comprennent pas forcément ce que vous dites. Donc, en travaillant en collaboration avec Exco Avec, vous allez clarifier votre projet, l'expliquer et le rendre compréhensible et attrayant à tous les publics. Donc, effectivement, ce qu'on peut vous apporter, c'est des spécialistes. Donc, au sein du cabinet Exco Avec sur Nantes, on a des spécialistes en droit social, en droit fiscal, en droit des sociétés, mais aussi grâce à notre réseau en France et à l'international, on peut aussi vous accompagner, vous guider, vous permettre de faire une croissance à l'international en vous mettant dans des mains de gens dont c'est la compétence spécifique. L'expertise juridique et fiscale, comme je vous le disais, on peut vous assister à la négociation avec des partenaires financiers, le business plan, comment on fait pour qu'on puisse vous prêter de l'argent qui va vous permettre de réaliser le projet. Et puis, on peut vous assister aussi sur certaines fonctions, l'externalisation de certaines fonctions, la paye, la comptabilité, votre secrétariat juridique. Et puis, vous assister dans les études de marché, puisque effectivement, c'est important. Si on veut qu'une entreprise vive, il faut qu'il y ait des clients. Et pour qu'il y ait des clients, il faut savoir à quel marché on s'adresse. En phase de développement, là, on n'est plus du tout dans le même projet. L'entreprise, elle est lancée, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. Vous avez des besoins particuliers. Il faut fiabiliser l'information économique que vous donnez. Quand on prépare une levée de fonds en bourse, on ne peut pas se permettre d'avoir une comptabilité qui n'est pas du tout organisée.
Il ne suffit pas de sortir un joli bilan, il faut surtout avoir une organisation derrière qui suive la route et qui puisse convaincre les partenaires financiers. Il faut avoir une protection légale de vos découvertes technologiques, même si on est dans le logiciel libre, il faut en tout cas savoir ce qu'on vend et se protéger, financer sa croissance, surtout s'assurer qu'on aura les moyens de rémunérer les acteurs qui vous ont accompagné dans la croissance, c'est-à-dire quand on fait une levée de fonds, quand on fait appel à des business angels, il faut être sûr que ces gens-là, ils vont avoir un retour aussi, puisqu'ils vous accompagnent pour vous, mais aussi à un moment pour avoir un retour de capital. Donc c'est vrai que c'est des éléments importants pour vous, et puis sécuriser vos problématiques fiscales, le crédit d'impôt recherche, le crédit jeune entreprise, le crédit impôt innovation, enfin voilà, ce sont vraiment des points importants. Et effectivement, au cabinet, c'est l'avantage de la troisième voie, ce qu'on vous mettra dans le petit film. On a aujourd'hui tous les outils pour vous aider dans la mise en place de votre gestion de tableau de bord, la négociation, la rédaction de votre contrat à travers nos spécialistes du droit, la validation de votre fiabilité financière, votre comptabilité. On est aussi commissaire aux comptes. Et puis, on peut vous aider jusqu'à l'assistance à l'introduction en bourse et le management de projet. Donc, globalement, c'est vrai que le cabinet EXCO, c'est un expert comptable à vos côtés, pour votre entreprise, mais ne l'oubliez pas non plus chez vos clients, parce que quand vous avez des besoins d'organisation de système, pensez à consulter l'organisation comptable, parce que bien souvent, on est très dépendant de ce que vous gérez, et ça peut être un vrai partenariat. Donc voilà, donc, si nos contacts, c'est le cabinet sur Nantes, dont Philippe Lomeau, le dirigeant du cabinet. On est donc situé 29 Boulevard Einstein, et je vous laisse mes coordonnées. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.